Bonjour à toutes et à toutes, c'est Mathieu et une petite IRL comme d'habitude. Je vais faire des IRL parce que en fait, je vais vous présenter. Alors, les vidéos Minecraft, c'est bientôt, parce que je préfère un truc pour les, tout ça. Alors ça c'est un IRL, une bonus on peut dire. Comment faire un pétard avec une simple feuille qui a rien, qu'on ne doit rien ajouter, sauf la pliée. Alors vous connaissez tous la pliée. Moi j'arrive à la plier bien avec une seule main. Il faut juste que je le reprends. Attends. Voilà. Mal plié, attendez. Vous avez la feuille, et vous la pliez à l'endroit. Quand je fais, alors là, vous ne voyez pas assez bien. Attendez, je vais vous expliquer après. Voilà, alors pliage comme ça. Pliage comme ça, en fait, en ligne, voilà, comme ça, là, quand vous voyez, et comme ça. Voilà, je crois que vous avez bien regardé. Je crois que vous voyez bien, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais poser mon téléphone parce que j'utilise mon téléphone. Les deux trucs comme ça, et après si vous n'avez pas compris le suspense, alors ne jamais toucher le milieu là que je vois et toucher que les deux qui sont là. Allez, alors là, on teste. Vous faites fort et rapide. Alors là ça n'a pas marché. Non, ça fait un bruit d'un pétard. Alors je vais recommencer à faire le pillage. Voilà. C'est comme ça, ok? Pas tellement obligé, il faut pas que je fasse mon milieu. Voilà, je vais un peu retourner. Hop. Hop, après, vous faites comme ça. Voilà. Ça fait sûrement. C'est pour vous. Chaque fois, il est grand. Alors, ça déchire pas tellement trop si vous faites beaucoup de fois. Il faut juste faire un trou au milieu. Après, quelquefois, ça va déchirer les coins que vous avez fait. Après, c'est comme crouillé et tout ça. Allez, merci de voir la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme d'habitude, aimez la vidéo. Voilà. Aimez bien. N'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Parce qu'il faut bien aimer la vidéo. Parce que j'adore. Et lors que vous abonnez à ma chaîne. Alors, je vous conseille de aussi commenter, aussi y aller sur la discussion de ma chaîne et parler un peu
parce que j'ai besoin, et un commentaire.